nouvel épisode, donc l'épisode numéro 2. Donc aujourd'hui, on va, je pense, finir le moteur, ou au moins bien avancer, parce que de toute façon, il reste quoi mettre la boîte, mettre tout le dessus, donc en gros, culbuteur, avec le cache culbuteur, le carter d'huile, alternateur, filtre à huile, et d'autres petites pièces qui vont arriver d'ici quelques minutes. Donc on va hop commencer par le dessus au final, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc moi ça fait quelques secondes, en gros je viens juste d'aller chercher, d'aller me coucher en fait au final et de manger un petit bout. Et on se retrouve en fait juste après, hein. Donc j'ai, dans le jeu en gros j'ai juste passé un peu le temps au final. Et après, pour que mon perso puisse faire la sieste. Non, je crois que c'est du plus petit, non? Tac. Non. Donc, non. Donc voilà, donc j'espère que le son du jeu est pas trop chiant. À mon avis, il doit l'être un petit peu, parce que c'est vrai que d'entendre ces mouches, même moi ça me fait chier. Mais bon, c'est pas pire que d'entendre le sauna, parce que le sauna, c'est... comme il s'est passé dans le premier épisode que j'avais fait, en fait, c'était plutôt sympa. C'était pas sympa du tout, en fait. Qu'est-ce que je dis que c'est plutôt sympa, moi? C'était pas sympa du tout, en fait, d'entendre tout le temps le... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous vous rappelez, au début de l'épisode, du premier épisode que j'avais fait sur le jeu, en gros, on entendait un... tout le temps du début, et c'était un peu chiant. Donc voilà, tac, je crois, ça me semble bien que c'était les mêmes. Ah, c'est le vu que je fais que visser. En gros, donc au début en fait, quand vous allez commencer le jeu, pour visser, c'est le carte, enfin, c'est en gros faut mettre des coups de roulette pour passer le ton de vis, quoi, en gros, pour visser ou dévisser. On peut visser, dévisser en fait. Si vous cliquez vers l'avant, bah, si vous tournez la roulette vers l'avant, vous allez visser. Si vous tournez la roulette vers l'arrière, vous glissez. Vous dévissez. Donc voilà. Et moi en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis un macro sur ma souris. Oui, comme ça, hop. Comme ça, j'ai dit. Toc, hop. Et en gros, quand je clique. En fait, ma souris, je peux cliquer droit ou gauche. En fait. Pousser ma souris vers la gauche ou pousser ma souris vers la droite me sert à visser et dévisser. Donc en gros il spam la roulette. Et quand je veux par exemple monter le cric, j'ai deux petites touches sur le côté de ma souris qui me permettent de spam clic gauche ou droit, qui fait lever ou descendre le véhicule, le cric, le véhicule, tout voilà. En fait, surtout ça. Donc on va mettre l'alternateur, bon, s'il veut bien le prendre, parce que voilà, tac. Donc on va aller chercher la courroie, je l'ai déjà, il faut juste aller la chercher dans le placard, dans la boîte, dans le... Putain, mais c'est la victoire, je cherche même pas les clés. On les a toutes, c'est parfait ça. Ok, donc on peut dévisser le machin, le bazar. Ah, par contre là c'est pas la même. Ah, c'est pas la même clé là. Ah, ok. Bon bah c'est pas la même clé. Ok. Donc le tabazu là qui traînait tout à l'heure près de chez moi, il s'est barré, donc tant mieux, je crois. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier épisode, en gros, il y avait un mec qui traînait autour de chez moi. Et en gros, on entendait sa voiture dans le début du... dans tout le premier épisode. Et c'était un peu chiant. Donc tac tac, normalement là on est bon. Ah, on est pas mal. Moi je crois qu'on est pas mal. Donc hop, ah merde. Donc moi ce que je veux en fait c'est desserrer au maximum cette connerie. Pardon. Donc là on va aller chercher la courroie. Donc j'ai mis les dés en fait sur la voiture. Histoire de... Donc elle est là, la courroie. Hop, on va aller la mettre. Et après, serrer le tout. Et voir ce que ça donne. Hop,
et on verra ce que ça donne sur la voiture. Donc, tac, hop, pourquoi j'ai accéléré comme ça? J'ai dû lâcher un peu le. Donc, comme vous voyez, là, j'ai pas eu de problème. En fait, je crois que le problème, je l'avais eu dû à. Par contre, tu veux pas me mettre la courroie là? Ou. Je sais pas, t'as un problème avec la courroie ou. Eh, frangin! Oh, t'as un problème avec le courant ou quoi? Donc, qu'est-ce qui t'arrive, frangin? Oh! Ok. Ok. Allez, merde. Ok. Bon, bah, il veut pas. Bah, maintenant c'est un autre problème. Putain, il veut pas mettre la courroie. Attends, je vais le mettre dans l'autre sens, comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, pour qu'il peut-être. Je sais pas. C'est peut-être ça le problème. Ah, je crois que j'ai plus. Ah ouais, ça devait être ça. En gros, elle devait être trop serrée pour lui. Hop. On va le desserrer un petit peu pour qu'il soit bien tendu. Donc voilà. Et après, on va prendre le tournevis. Le tournevis, voilà. Et on va serrer tout ça. Voilà. Donc on voit que moi pour moi là ça n'est pas assez serré, mais le truc c'est quand on fait la vis en fait, on peut pas en gros si on. Ah non, ah ils ont corrigé le bug visiblement. Parce que ou en tout cas faut le faire de face. Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, en même temps que je vissais. L'alternateur en fait se rapprochait du moteur, donc c'est très très bien. Bon, on a passé quand même 5 minutes à juste à mettre un alternateur. Donc voilà. Tac tac tac. Donc on va finir le. Allez, on va mettre cette petite pièce là. La bobine d'allumage avec les câbles d'allumage. Donc c'est de l'autre côté, bien sûr. Oh, les pistons. Hop. Ça sert à rien, mais je le mets quand même. Ça sert strictement à rien. Donc hop, le démarreur. Donc je. Ah ok, j'ai pris l'arrivée d'essence. J'en ai rien à foutre, tu vas dégager tout de suite. Ou non, ça doit pas être là. Non, c'est pour le frein, pas pour l'essence. Tic 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 tic. Donc je pense que si j'arrive à bien avancer. Franchement, je vous dis, là je suis vraiment très content, ça avance, mais super bien. Ouais, mais c'est de l'autre côté. Là, comme ça. Tac, hop, tac. Donc, on passe sur la suite. Hop, en avant. Tac, 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 tac. Non, c'est pas, je pense pas que ce soit là. Hein, tac. Donc, là, celui-là, il va être assez chiant. Donc comme vous voyez, les macros sont vraiment très pratiques. Parce que là, vous voyez, ce que je suis en train de faire là, en fait, j'aurais pu le faire aussi avec l'autre. Mais j'aurais dû spam clic en fait. J'aurais dû spammer le clic gauche. Et après, donc en gros, ça m'aurait bien fait chier. Donc voilà, hop. On est nickel. Oh putain, oh mais ils ont même. Oh là là. C'est marqué. 5 PK 950. Donc là, en fait, vous voyez, moi je sais ce que ça veut dire. En fait, 5 PK. 5 PK, ça veut dire qu'elle a 5 dents, en fait, qui font le longitudinal, si je me trompe pas. Et 950, ça veut dire que en gros, elle fait, si je me trompe pas. Presque 1 mètre. En fait, elle fait 950 mm. Donc 95 cm de longueur en fait. De diamètre. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, voilà. Donc si je ne me trompe pas et que je me rappelle bien de mes cours de techno, c'est comme ça que ça se dit. Voilà. C'est comme ça qu'on peut déchiffrer et savoir à peu près ce qu'il faut comme courroie ou pas. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent rien, après. Moi je parle de technique, mais après il y en a peut-être qui s'en foutent, c'est un fait. Mais c'est vrai que le jeu a l'air plutôt réaliste quand même au final, parce que même ça, moi ça me fait plaisir de retrouver ça sur un jeu quoi. Un truc qui soit réel, un truc qui soit fait. Bon après c'est vrai que tu trouves, c'est peut-être con, mais
une référence de. Tu prends, t'as juste à prendre une référence d'une pièce de voiture et puis tu la fous, voilà, une courroie d'alternateur. T'en as multiples et variés, hein, des 5PK500, des 5PK1000, des 5PK... Maintenant, c'est vrai qu'elles sont de plus en plus longues parce que... Parce que y a les en gros, ou au moins parce que parfois, en gros, ils mettent deux courroies d'alternateur, ben, deux courroies d'accessoires. Une courroie avec, par exemple, moins, parce que... Ouais, c'est un peu compliqué, en fait, parce qu'il y en a pas mal. Ta courroie de... Une courroie pour peut-être clim, alternateur, clim, alternateur et pour la pompe à eau, pour qu'est-ce qu'il peut y avoir dessus, pompe élope. Maintenant, en fait, le truc, c'est qu'il y a de moins en moins, par contre, de pompes pour l'ABS, parce que, en fait, les gens... en gros, c'est plus des... Pourquoi ? J'ai dit airbag ? Non, je veux dire l'ABS. Pour l'ABS. Parce que, en ce moment, on a plus d'électrique que de... En gros, c'est la technologie qui avance, hein, mais on est plus, maintenant, basé... sur de l'électrique que sur du hydraulique. À l'époque, dans les années début des années 2000, 90, on était en gros depuis les débuts des années 70, je crois, à peu près. En fait, c'est très très vieux, hein. L'ABS, ça date d'il y a... Pouf. On commençait en fait à vraiment découvrir l'ABS il y a vraiment très longtemps, mais sur les voitures civiles, en fait, ça fait un peu de temps que ça existe, hein, au final. C'est comme le turbo, hein. Le turbo, ça fait je crois que, si je me trompe pas, le turbo a été inventé par monsieur Renault, je crois, Henri Renault, si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être pas son vrai nom, mais c'est peut-être pas son nom, en fait. Je me trompe peut-être, on va dire. Et donc voilà. Donc c'est peut-être son nom, c'est peut-être pas son nom, je sais plus si c'est son vrai nom ou si c'en est un autre. Tic tic tic. Donc qui a inventé le turbo? J'ai vu qu'il y avait une vis que j'avais oubliée. Hop, voilà. Là, juste ici. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, qui a inventé le turbo en 1910 à peu près, par là en fait, ou un peu plus tard, je crois, pendant vers la Seconde Guerre mondiale. Donc il plaçait ça, il me semble, si je me trompe pas, sur les chars. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça assez sympa de connaître ce genre de choses. Pour moi la mécanique, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Déjà parce que personnellement ça peut toujours aider. Quand on a une voiture parce que, par exemple, quand on a une voiture, déjà ça te coûte moins cher d'entretien, etc, etc. Donc c'est un petit plus. Après, je dis pas que c'est le must, hein, sincèrement. Hop. Donc par contre, lui, il se visse toujours, hein. Donc est-ce que plus tard ils vont nous mettre une clé à vidange? Pourquoi pas, hein. Ça peut se faire, je pense. Donc est-ce qu'on met... Je sais pas si on le met tout de suite ou pas. Là, il manque un truc sur l'avant. Je vais essayer de trouver ça. Ça doit être la pompe à carburant. Qui se trouve juste ici, je pense. Ça fait un peu comme sur ma voiture. Je vais peut-être vous faire quelques petits trucs avec. Du genre... un petit truc sympa. En quelque sorte, parce que... En gros, moi, c'est vrai que je suis... Ben, on va pas dire que je suis passionné. Ben, je suis passionné, parce que, en règle générale, quand on aime la mécanique, on travaille dedans. Bon, moi, je travaille pas dedans pour l'instant. C'est vrai que... Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, en fait, la mécanique, mais... Après, voilà, faut vraiment apprécier le truc. Voilà. Parce que, en gros, c'est pas drôle tous les jours. En fait, moi, ce que j'apprécie, ce pourquoi je ne travaille pas, on va dire, dedans pour l'instant,
c'est l'ambiance dans les garages qui m'a vénère en fait au final. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler dans les garages, quoi. Et parce que tu te fais chier en fait au final dans un garage. Parce que les mecs. Bon après ça dépend du garage, hein. Je vous dis, c'est pas vrai de partout ce que je dis. Pourquoi une vis qui est plus grosse que les autres? Je sais pas. Mais bon. On va pas s'emmerder avec ça. Ça doit être... Hop, donc on va visser tout ça et là le moteur sera prêt. Non, je vais vérifier si... Ben, il manquera encore une petite pièce à rajouter dessus. Et non, le moteur est nickel. Donc voilà. Moi c'est vrai que là, au début en fait, quand j'ai réussi à monter ma voiture la première fois, j'ai eu un pépin. En fait, j'arrivais pas à mettre Je fais un tour parce que des fois il y a des petits trucs cachés. Donc on va spam clic pour monter. Donc voilà. Donc franchement, moi j'espère que ça vous plaît cette petite vidéo, on va dire apprentissage. Non, je déconne. Et je veux pas vous apprendre des trucs forcément, mais si je le peux, c'est tant mieux. Si après je peux pas parce que vous en avez rien à foutre. Voilà, vous en avez rien à foutre, hein. Ok, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais pas me casser le cul, donc voilà. Oh putain, je tombe sur la bonne, c'est parfait. C'est parfait, donc voilà la boîte montée. On va mettre la commande de boîte, parce qu'il me semble que c'est pas la commande d'embrayage, mais oui, Gear Drive, donc commande... Donc même, en fait, au final, même si le jeu est pas en français, moi je m'en tire plutôt bien, parce que... J'arrive à savoir quelle pièce est va où, etc., etc. Vu que, quand même, c'est un peu le... Ben, c'est toujours le même principe, on va dire. Dans le jeu, c'est que... C'est comme sur une vraie voiture, au final. Ça reste... Franchement, ce jeu, pour moi, est très très bon parce qu'il est très très réaliste. Après, il y a des jeux qui le sont beaucoup moins. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire après? Je pense qu'on va commencer peut-être le châssis. Ou je sais pas trop quoi, on verra bien. Donc tac tac, voilà, on est bon. Je fais un petit tour du propriétaire. Donc, voilà, hop, on pourrait mettre comment ça s'appelle non, il n'y a plus rien. Donc là, le moteur est terminé. On est à 20 minutes de vidéo, même pas. Donc je propose qu'on commence à monter le châssis sur la voiture. Donc voilà. Donc j'ai laissé toutes les pièces de tuning, il pleut, tant pis, elles rouilleront un petit peu. Quelle rime, hein. C'était une rime magnifique. Donc tac tac, donc on lève par l'avant. Parce que là c'est un peu con de lever par l'arrière. Quoique non, par l'arrière c'est plus simple je pense. Il y a moins de trucs à faire. Donc on va se faire l'arrière. Et puis après on va s'arrêter là je pense pour cette vidéo. Et on se retrouvera dans la prochaine. Donc j'ai mis les enceintes derrière. Je pense que je les placerai quand même. Hop. Et là on spam clic. Et non, c'est censé lever la voiture. Oui. Donc voilà. Donc le jeu, moi je le trouve bien en fait. Je l'aime bien. Donc on va monter l'arrière et dans la prochaine vidéo on montera et l'avant et on finira en fait le tout. Je sais même pas si la bête pare-brise ça va changer quelque chose. Si SP, je vais peut-être l'enlever parce que c'est vrai que je l'ai mis direct, je sais pas pourquoi, parce que si SP ça a même pas passé au... Donc RL... ouais, c'est de ce côté. Non mais je me mettais en fait dans ma tête plus ou moins là où fallait que je le mette et tout. Voilà, paf. Et puis on va mettre l'autre en même temps. Et après on va ramener... Ah mais la casse à outils, je crois que je l'ai déjà ramené. Donc RR c'est de ce côté. Et RL c'est de l'autre côté. Donc R c'est pour je sais pas quoi. Mais c'est pas devant. Parce que R, devant c'est left. C'est front. En fait. Hop. Tac.
Donc je vais tout ramener et je vais essayer de trier, je sais pas si... Non. Les tambours, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Donc franchement, je suis vraiment allé vite, mais là aussi, par rapport à la dernière fois, c'est que je suis plutôt bien placé, on va dire, pour monter le véhicule. Voilà. On va dire. On va dire, on va dire. Donc, on a les ressorts. Donc, il n'y a pas de sens non plus. Il n'y a pas de sens pour les ressorts. Bien, en gros, ce que je veux dire de sens, c'est que sur certaines pièces, en fait, on n'a pas le choix. On est obligé de monter droite ou gauche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère. Parce qu'en gros, les pièces sont différentes selon si vous la mettez à droite ou à gauche du véhicule. C'est un truc tout con, hein. Mais voilà. J'espère que ça vous aidera pour plus tard. Parce que pour moi, voilà. Pour moi, c'est logique. Après, je vous l'explique à vous. Parce que voilà. Je veux pas que vous mouriez con. Ou quoi que ce soit d'autre, hein, voilà. Hop. Un petit coup là, voilà, hop. Donc, tac, tac, tac. Donc là, je crois qu'on a tout, non? Je regarde si on a tout sur l'avant. Normalement, oui, voilà. Donc, on a tout sur l'avant. Donc, moi aussi, j'avais eu un problème, en fait, pour mettre les cardans. J'ai regardé des vidéos, des vidéos, des vidéos. Et au final, j'ai réussi à trouver la réponse en deux temps, trois mouvements. J'ai pas eu besoin de chercher, en fait, ou presque. Enfin, c'est un petit peu. Mais, en gros, le problème, c'est que moi, j'avais tout mis. Et je pensais que j'aurais pu mettre après, en fait, le reste. Et j'ai pas pu, parce qu'il y avait eu des problèmes, en fait, avec ça. Et je n'avais pas pu du tout. Donc, voilà. Je pense pas que ce soit celle-là. Par contre, Ginette, j'aurais mieux fait d'attendre un petit peu. Hop, on va la rapprocher d'ici et éviter qu'elle tombe dans le sol. Je sais pas s'ils ont réglé ce problème. Parce que... je sais pas, en fait. Voilà. J'en sais rien du tout. Mais j'espère qu'ils l'ont réglé parce que si ça me arrive, ça me fait chier. Allez, putain. En fait, c'est le truc, c'est que je me mets pas comme il faut, en fait. Pour hop donc hop voilà, là on est bon je crois, voilà, là on est bon, et normalement il y en a une autre derrière là-bas, voilà, là on est bon. Donc, tac, donc on va mettre le ressort en place. Ouais, j'ai dit le ressort en place, faut mettre d'abord, ah non, tac, donc on met le ressort. Hop, on met la suspension. Donc là, on va chercher la vis. Non, là, il y a une vis à l'intérieur, une vis à l'extérieur, un peu comme sur les autres voitures, normal. Ta gueule, j'ai dit deux. Merci. Ouais, ok. Donc, moi, ce que je cherche, c'est... Parce que c'est pas évident en fait de voir les vis pour... Ah si là, on la voit bien. Là on la voit bien. Oh là là. Oh oui, elle est bien là. Oh là 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 là. Donc ouais. Essayons d'éviter de faire tomber la machine dessous parce que je sais pas comment la faire réapparaître. Parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez. En gros, j'avais eu des gros problèmes justement à cause de ça. En gros, j'ai pas pu finir ma vidéo, justement à cause de cette merde. Que, en gros, le jeu m'avait niqué toute ma game en une chose, quoi, au final. Et, ah merde, j'aurais dû faire de l'autre côté aussi, bon, tant pis. Donc, voilà. Et, en gros, le jeu m'avait niqué toute ma game en une fois, au final. Voilà. Et, c'est vrai que ça a été un peu con. Hop. Donc c'est vrai que moi j'avais déjà fini ma voiture, j'ai jamais pu la bouger du garage parce que j'ai jamais pu avoir assez d'essence pour aller très loin. En gros j'avais eu, si j'avais été je crois jusqu'au croisement et après en gros j'étais tombé en panne d'essence et là j'avais juste eu assez d'essence pour... Ah merde, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais pas serré ici. Ouais, merci.
Merci l'idiot. Tac tac tac. Donc ouais, je suis un peu con sur ce coup-là, effectivement. Donc on va se prendre le petit 2. Hop. J'aimerais bien retomber dessus au hasard. Hop. Donc tac tac. Donc là maintenant je peux remettre le ressort bien sûr. Puis la suspension bien sûr. Après on va les serrer à l'intérieur et je pense qu'après on va se quitter là-dessus. Est-ce que j'ai pas eu un petit truc là, non? Là par contre j'en ai eu un petit truc là. Donc hop, on va essayer de se faire ça. Hop, voilà. Donc si je me trompe pas, c'était le deuxième. Pardon. Ah mais ta gueule, merde. Ouais, mais je suis pas en deux là. Mais il y en avait deux. Il y avait deux vis. Ah, j'ai pas serré les deux vis de l'autre côté. Bon, la vue par-dessus est pas terrible en fait. Mais ce sera plus simple, je pense, quand j'aurai mis la voiture en fait sur le pont. Donc durant le prochain épisode, je pense. Donc tac. Je vais aller de l'autre côté et je vais aller me serrer tout ça. Hop. Hop. Voilà. Et puis la partie intérieure. Je crois que je l'ai fait tomber, non? Oui. Merci. Enfin, ce que j'aime pas trop dans ce jeu, c'est qu'au final, on arrive à s'emmerder plus vite que à jouer en fait. Parce que le jeu est encore beaucoup buggé. Bon, après, c'est vrai que c'est un jeu qui, pour moi, je trouve, est quand même pas mal complet au final. Et donc, plutôt sympa au final aussi. Hop, non. Non plus. Non plus. Bah, ou pas. Donc, tac. Tac. Et donc là, on a presque fini au final. Note. Alors, ce que j'aime pas, c'est qu'on peut pas s'accroupir dans la voiture ni quoi que ce soit d'autre comme ça. Donc, on va finir sur une bonne chose. On a 28 minutes. Donc non, on va se laisser là. Et en gros, je vais montrer le tambour et on mettra les roues au prochain épisode. Et voilà. Quoi vous dire de plus? Moi, j'ai été vraiment très heureux de pouvoir faire cette vidéo. Ben, ces vidéos, de pouvoir les faire en tout cas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!